Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo totalement imprévue. Je viens d'aller ouvrir ma boîte aux lettres et que vois-je? Surprise, un colis que j'attendais avec beaucoup d'impatience, qui était dans ma boîte aux lettres. Le facteur n'a même pas sonné, en fait, ça rentrait dans la boîte. Donc j'étais vraiment, vraiment, vraiment saisie. En fait, en ouvrant, je me suis dit le colis est là! Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous et je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Tadam! Voilà, j'ai reçu ma commande passée voilà, pour la campagne de Laure Felipon, donc l'illustratrice Laure Felipon. Je vous mets en barre d'infos le lien de sa chaîne YouTube ainsi que de son Facebook. Je suis très émue, en fait, voilà. Je m'attendais pas à être aussi émue en ouvrant ce colis. Donc j'ai participé à la campagne Ulule de Laure Felipon. Donc moi ça fait déjà un petit moment que je vois passer voilà, beaucoup d'illustrations de Laure Felipon, notamment avec l'Odyssée Felipon qui a été mis en place cette année. Voilà, je vois beaucoup beaucoup de belles illustrations et de magnifiques mises en couleur passer. Je ne me suis pas laissée tenter parce que voilà, j'ai déjà beaucoup de livres, je colorie déjà beaucoup d'illustrateurs, je n'arrive pas à aller dans tous mes livres, voilà. Et puis voilà, le lancement de la campagne Ulule a fait que j'ai craqué. Il m'aura pas fallu très longtemps. Dès le premier live, le marathon Felipon, il y avait eu un marathon pendant 24 heures, des lives qui se sont enchaînés et j'ai craqué dès le premier live. Voilà, la faiblesse. Mais bon, j'ai voulu soutenir Laure et puis. Bah, c'est sympa de découvrir aussi des nouveaux illustrateurs et de mettre en couleur de nouveaux types d'illustrations, puisque moi c'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude de ces petites mignonneries comme ça. Voilà, je n'ai pas. Il n'y a rien qui ressemble en même temps voilà, au style de Laure Felipon, mais j'avais jamais mis en couleur ce genre d'illustration et j'en suis ravie. Donc dans mon colis, moi, il y avait les trois volumes, puisque bah voilà, comme je viens de vous le dire, je n'avais aucun livre de Laure Felipon, donc j'ai pris le pack avec les trois cahiers de coloriage et nous avions les petits goodies à l'intérieur. Il y avait aussi voilà un petit, je sais pas comment on dit, c'est pas un fascicule, mais voilà, pour présenter le travail. Donc elle s'appelle la Fée Corsetée et elle fait des petits coussins de méditation. Donc c'est super mignon avec les mises en couleur de Laure Felipon. C'est super joli. Donc il y avait un marque-page. Enfin, il y a un marque-page. Donc ça, c'est tous les petits goodies qu'on a eu en plus grâce à la cagnotte de la campagne Ulule. Voilà. Donc un magnifique marque-page, beaucoup plus grand que les marque-pages que je possède moi. Voilà, c'est super, c'est bien, bien plus adapté à nos livres de coloriage qui sont quand même beaucoup plus gros que des romans, hein. Donc c'est super et en plus il est double face. Voilà, on peut choisir le côté qu'on veut. J'adore. J'adore, j'adore. En plus, je ne colorie jamais de chat, donc c'est trop cool. Un magnifique portrait avec beaucoup de douceur dans le regard. Des petits chats amoureux. C'est trop mignon. Et deux magnifiques mises en couleur. Ça, c'est vraiment à encadrer et à mettre au mur, quoi. Donc, superbe. Et voilà, les trois livres. Donc on va les feuilleter ensemble. Je découvre hein, avec vous. Alors bien évidemment, comme je l'ai dit, j'ai déjà vu passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de mises en couleur de l'or. Donc je connais les illustrations à l'intérieur. Mais voilà, j'avais envie de découvrir ça avec vous. Par contre, le volume 3, c'est plutôt la surprise. Voilà, parce que je ne me suis pas spoilée. J'ai pas été regardée de présentation. Je voulais garder la surprise jusqu'au bout. Même si, bon, il y a déjà quelques visuels qu'on avait pu voir passer sur le Facebook de Laure, mais bon, voilà. Je préférais me garder la surprise, donc le premier volume, donc cahier de voloria... mon cahier de coloriage, pardon, avec 24 dessins à l'intérieur. Eh bien, on commence avec l'illustration de la couverture, qui est superbe. Le papier a l'air bien épais. Il ressemble beaucoup à mon papier que j'utilise pour mes PDF, si ce n'est qu'il est beaucoup plus blanc. Il a l'air super agréable. En tout cas, j'entends que du positif au niveau de la qualité de ces cahiers de coloriage. Donc, j'ai hâte. De toute façon, je vais les entamer très vite.
puisque mon objectif de début d'année étant d'entamer tous mes livres, je me retrouve avec trois nouveaux livres à entamer. Donc je vais tâcher de les entamer assez rapidement. C'est trop mignon. Je vais essayer de ne pas passer trop de temps sur chaque illustration, puisqu'il y en a quand même voilà, un certain nombre à regarder, mais c'est trop 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 beau. J'aime beaucoup le style steampunk, j'adore ça. Il y a beaucoup de douceur qui se dégage de ces coloriages. Moi, quand je pense à l'Orphée d'Hippon, c'est vraiment le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est la douceur, la poésie, cette espèce de naïveté de l'enfance comme ça, des coloriages vraiment très, je sais pas comment expliquer ça. Voilà, par exemple ça, moi c'est ma came quoi. Bon, si ma fille tombe sur cette illustration, j'ai peur qu'elle veuille me piquer le livre. C'est juste magnifique, quoi. Voilà, quand je parle de naïveté, bien évidemment, c'est pas quelque chose de négatif, hein, au contraire. C'est aussi pour ça qu'on colorie, voilà. C'est pour s'évader et pour retomber un petit peu dans cette naïveté de l'enfance. Et je trouve que ces illustrations sont vraiment très appropriées pour ça. C'est magnifique. Donc voilà. Je ne regrette absolument pas de m'être laissé tenter. J'ai voulu la soutenir. Voilà, je ne colorie pas beaucoup d'illustrateurs français, donc ça fait plaisir. Et puis ça permet de varier un petit peu, même si j'ai déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. Mais là. C'est très très mignon. Ah, ça j'aime beaucoup. Je me souvenais pas de cette illustration, tiens. Elle est très détaillée, ça me plaît beaucoup. La fameuse machine à coudre. On s'en souviendra de celle-là. J'adore les fées, moi. C'est super. Je suppose qu'il s'agit de la fée corsetée. Je ne sais pas, une petite idée comme ça. C'est vraiment, vraiment trop, trop, trop mignon. Et voilà pour le premier cahier de coloriage. De vous cacher le reflet de la lumière. Le deuxième, et alors celui-ci, il y a 28 dessins. Voilà, moi j'ai la version avec les quatre dessins, que c'est ça, hein? Oui, avec les quatre mises en couleur. En fait, c'est un, comment dire, c'est un format limité, édition limitée. Voilà, il y a quatre dessins supplémentaires. Alors, on voit directement l'évolution, je vais dire. Voilà, on voit l'évolution de l'or entre ces deux livres. C'est très. Très très beau. Avec un petit peu de. Alors je vais pas dire que c'est du grayscale, mais vous voyez, il y a des endroits qui sont un petit peu plus ombragés. Et moi ça j'adore. Vraiment, c'est quelque chose qui ne me dérange absolument pas dans les livres de coloriage. Le grayscale, c'est. Voilà. Je trouve que c'est une aide énorme pour les mises en couleur. De savoir où placer les ombres. Moi, j'adore. Beaucoup trop chou. Désolée pour le bruit, ça. Hop, comme c'est tout neuf. Il est beau ce portrait. Oh. Vraiment vraiment ravie, franchement. Plus je tourne les pages, plus je voilà, je m'imprègne de cet univers. Je suis charmée. C'est une chose de voir des mises en couleur passées qui sont voilà superbes, qui nous font accrocher, on va dire, au style d'un illustrateur, mais c'est une autre chose de les avoir en main déjà, voilà, et de s'imaginer les colorier nous, en fait, avec notre propre patte. C'est voilà, c'est totalement différent.
peut les décrocher en fait. On peut les décrocher, les mises en couleur, enfin les dessins. J'avais pas vu qu'il y avait des petits pointillés. Donc si jamais vous souhaitez les arracher, vous pouvez. Enfin les arracher, on s'entend. Hein. Il n'y allait pas comme des barbares. Il y a des petits pointillés en fait. Pour ceux qui souhaiteraient éventuellement offrir, voilà, faire une mise en couleur et ceux qui ne tiennent pas particulièrement voilà, au format livre et qui détacheraient leur colo. Voilà, ça c'est beau. Je n'avais jamais vu ces illustrations, je suis en train de me rendre compte. Je ne les ai pas vues mises en couleur. C'est trop chou! J'ai pas fait attention s'il était dans le livre celui-ci. Je crois pas. Je crois pas l'avoir vu le loup dans le livre. Dites-moi si je me trompe. Ah bah s'il est là. La bécasse. Ah bah je l'ai passé en fait. Je l'ai passé. Je sais pas ce que j'ai fait. L'émotion. Je vais remettre ça là parce que vraiment c'est très gênant ce reflet de lumière. Et enfin le dernier, voilà, le dernier le cahier de coloriage donc qui a valu la campagne Ulule cette année, donc le troisième cahier de coloriage. Donc là je découvre un peu plus puisque j'ai vu quelques visuels passer, mais je ne connais pas vraiment le livre. Je me suis laissé la surprise. C'est très très beau. Vraiment très beau. C'est bien mon style, moi, tous les petits trucs là. Non, ça c'est. Hop, on a la mise en couleur de l'or. Trop trop beau. Très mystique. Très mystique. Ouais, ça, c'est la couverture. Il est beaucoup trop beau. Enfin, elle est beaucoup trop belle, cette illustration. On a beaucoup cette dualité femme-animal. J'adore. J'adore, j'adore. Ah, ça me rappelle l'illustration, le dessin qu'on a fait avec le petit renne. J'adore une licorne. Ah non, et ma fille, elle va vouloir me les piquer, c'est pas possible. J'essaie de pas en rater cette fois-ci. Je vous détaille pas chaque illustration, hein. Je vous laisse admirer. J'adore en tout cas. Encore une petite corne. Y a beaucoup d'imaginaire, ah oui, ouais. Avec la mise en couleur aussi de l'or. Superbe mise en couleur d'ailleurs, au passage. Elle a un style. Autant, ben voilà, elle dessine, donc elle fait des illustrations qui sont déjà magnifiques. Mais alors ses mises en couleur, moi, je trouve qu'elle a un talent de dingue pour la mise en couleur. C'est un truc de malade. Les différentes teintes qu'on voit dans les éléments, enfin voilà, c'est avec des couleurs en plus, moi qui me plaisent beaucoup. J'adore. Et ben voilà, c'était la dernière. Ah non, franchement, là, je suis, mais je suis comblée. Je suis ravie, ravie, franchement, Voilà, moi qui ne pensais pas un jour, ben voilà, colorier l'Orphelipon, eh bien, c'est chose faite. Je suis trop contente.
Donc, je vous mets en barre d'infos le lien de sa chaîne, le lien de sa boutique et de son Facebook. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Bon, je pense que vous la connaissez déjà, mais si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à aller la découvrir. Ça vaut le coup, franchement. Ça vaut le coup. Donc, bah, j'attends vos petits commentaires. Voilà, pour une vidéo pas prévue, je suis contente, je vais essayer de la mettre en ligne très vite. Et bah, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!